Je ne sens pas. Ah, un homme du peuple, bonjour. Bonjour. Je tiens à poser cette question. Sur les morts qui marchent, les morts vivants, ta maman. Très vivement que je sache parler français. Non, allez, je suis pas un gros connard. Bon, je vais juste te voler dans ton meuble, hein. Voilà, je te vole juste un petit peu. Pas grand chose, hein. Cette maison. Très bien, elle est faite. Je vais continuer dans ce sens. Oh mon dieu, j'entends quelque chose. Ah mon dieu. Vite, je vais te sauver. Tiens, prends ça. Putain, mais merde. Merde, elle est morte. Ah non, je voulais la sauver. Ah non, non, non. Attendez, je vais essayer quelque chose. Oh non, je voulais la sauver. Je vais essayer de la sauver. Avant que j'entre dans cette maison. Est-ce que c'est possible au moins? Ça se trouve, non. C'est un trick. Putain, j'ai pas ma map. Alors, attendez. Oui, je me souviens. La maison, j'irai là-haut. Ah oui, le groupe de zombies. Allez, mec. Ici, petit. Voilà. Zombies faibles et zombies. Ok, donc il y a une différence. Les zombies sont plus résistants et ces zombies sans E à la fin. Putain, par contre, ils me mettent cher dans mes dents. Hein. À un point de vie. Pas croire encore, mais un point de vie, ça fait quand même assez mal. Pour le moment. Voilà. Voilà. Bien, bon, maintenant je sais qu'il y a un problème ici. J'ai lancé une maison plus tard. Repos. Sauvegarde et je cours. Go. Est-ce que c'est possible de la sauver? Hop, je vais essayer d'en avoir le maximum sans maïdan. Et ouais, j'ai réussi à la sauver pour le moment. Ah, par contre, il y en a d'autres. Citoyen. Si je le ramène, j'aurai des points ou de l'or ou de l'XP. Voilà. Bonjour. J'ai pas envie que tu meurs. Ah bah. Oui. Donc dans ce cas, je vais piller ce coffre. Verrouiller ta maman. Par contre, je rentre dans ta maison. Excusez-moi, je suis en train d'ouvrir un coffre. Pouvez-vous me laisser tranquille? Non, bon, dans ce cas, je vais faire autrement. Pouvez-vous me laisser tranquille si je vous mets un coup de lame dans la gorge? Putain, il me met 6, quoi. Putain, après les bits. Voilà, bon, les zombies ne me mettront pas grand-chose. Ils me mettront 1 ou 2 points de vie. Je suis assez large pour le moment. Quoi, 7? Putain, c'est un zombie. Je croyais que c'était un zombie faible. Putain, encore un dégât, je serais obligé de me mettre une potion. Ouais, allez, potion faible. Ça devrait être suffisant pour le moment. Putain, mais c'est pas vrai. Eh, mais tu vas mourir. Putain, cette musique qui va tellement bien avec ce combat, quoi. Bon, vous, ça devrait être simple.
Mais c'est pas vrai ça. Voilà, je vais enfin ouvrir mon coffre. D'accord. Je vais me reposer dans cette maison. Heureusement, elle est sûre maintenant. Oula, qu'est-ce que... Oh putain. D'accord, j'ai pas compris ce qui s'est passé. La caméra devait être trop près d'un mur. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Caméra trop près des murs, évidemment. Bon. Il y a du zombard. Il va falloir que j'y aille tranquille. Wait. Ça veut dire que le citoyen n'était pas obligé de mourir? Attendez. Citoyen, je reviens. Ouais, non, j'ai rien gagné. En fait, elle aurait pu crever, ça aurait été la même chose. Enfin, ça doit être ça. Bon, personne ne voit, vous êtes 1, 2, 3, 4, zombie faible. Parfait, vous êtes que faible. Putain, c'est pas vrai. C'est bon, je te réveille. Voilà, lui. Il y a une armoire, je dois la fouiller. Je peux monter à l'étage. Les escaliers sont cassés. Aventurine. Ensuite, alors retournez dans la maison où j'étais avant de la sauvegarder. Et je continue à faire tout le sud. Oui, donc la meuble. Putain, non, c'est un collier. J'aurais dû sauvegarder si j'avais su. Non, mais. Continuez sur vers le sud. Hop, chemin droite ou gauche. Droite, il y a une barrique. Faire attention maintenant. 4 pièces d'or. Je dois me faufiler. Ninja. Si tout va bien. Il m'a vu. Son champ de vision doit être basé sur le mouvement. Il a raté de bouger. Je peux me le faire. Aïe, dépêchons-nous donc c'est pas de traplique. Ah mais, qu'est-ce que tu m'as fait personnage? Vite la boîte. Contenu du coffre, à côté de la maison, je l'ai récupéré. Pour l'instant, tout a l'air de se passer pour le mieux. Et moi j'espère pour le moment, c'est trop calme. C'est beaucoup trop calme et il y a beaucoup trop de bruit autour de moi. Je vais régler ce problème. Voilà, re tout le monde. Désolé pour ce petit contretemps. Un zombie. You never see me. Oh merde. J'arrive à votre secours. Vous êtes là. Non, dégage. J'arrive, tu m'as... Ah putain, c'était un piège. C'était un piège. Je m'ai fait avoir. Je me suis fait eu.
rendements sont pas très forts. Bon, là, cas extrême, une potion. Putain, 8 et ils sont pas morts. Bon, il me laisse un drop, c'est déjà ça. Allez, crève. J'ai envie d'utiliser une grosse potion, moi. Toi, t'attends 2 secondes, hein. Tu continues de te faire bouffer par des zombies. Vite, une potion de soins supérieurs. Important. Oui, aussi. Bon, bah, elle est morte, hein. Hein, c'est trop tard. Putain, mais cette bataille royale quoi, qui est en train de se passer. Les zombies, je peux m'en occuper. Easy peasy. Mais alors les mercenaires là non. Sauf si je meurs. C'est ce qui va arriver. Voilà. Mais tu vas mourir. Voilà. Allez, le dernier mercenaire et les zombies sera du gâteau. Voilà, c'est bien, ça joue bien. Ça joue bien pour le moment. Tout se passe plutôt moyennement bien. Allez. Non, mais fous-toi de moi. Voilà, 2. Même si c'est de la merde, voilà. Hop, je réutilise une potion et je dois vaincre le zombie. Putain, ils sont des drops. Génial. Ça doit être des drops obligatoires. Les zombies faibles, ils mettront un point de dégâts. Ça passe encore. Le zombie normal, par contre, je dois absolument m'en débarrasser. Voilà, c'est bien. Ça gère. Génial. Maintenant, les zombies faibles. Voilà. Voilà. C'est une boucherie. Bon, la femme qui est morte ici repose en paix. Une enseigne, tiens, intéressant. Ah, le serpent nuisant. De l'or et une lettre anonyme. Qu'est-ce que... L'épidémie se répand plus rapidement qu'elle n'avait espéré. Oh putain. Une torche. Bah. Tout cela mériterait réflexion. Je vais fouiller cet endroit. Aller à l'auberge. Me poser un coup. Poser des questions aussi. Et voilà. Ça devrait être bon. Des carreaux, mais je m'en balance. Des carreaux. Ouh, ça par contre, je suis preneur. Verrouillé. Ah, j'en suis presque étonné. À peine. Une améthyste. Très bien. Où est-ce qu'il est ? Non, ça doit être ça. Non, je sais déjà ce que c'est. Allez, rentrons. C'est calme. Des réfugiés. Une porte. Des escaliers. Et un personnage qui s'appelle Drake. J'ai entendu parler de l'influence de vos actions à...
Alors. Très très bien, je dois sauver les gens. Je le ferai pas maintenant. Non. Je le ferai plus tard, mais avant, je vais fouiller un petit peu cet endroit. Mais il n'y a rien. Allons à l'étage. Des chambres. Je soupçonne le piège. Non. Une commode. Une fénélope. Très bien. Continuons. Tiens, une chambre un peu plus grande. Sans doute y a-t-il ici quelques parchemins, richesses à dérober au nez et à la barbe de ces riches faquins. Oh, elle était magnifique cette phrase. Un coffre. À déverrouiller, évidemment. Ces riches sont tellement prévisibles. J'ai rien contre les riches. Oh, une chambre. Une commode verrouillée, tiens donc. Que cache-t-elle? Un collier et 33 pièces d'or. Quelqu'un sans doute oublié de payer sa chambre. Une boîte. 2 pièces d'or. Ça doit être là, un endroit où des gens font des paris. Une autre suite. Ah ah, un coffre. Au pied du lit, cela doit cacher quelque chose. 9 pièces d'or. Une petite réserve, sans doute. Nyak, kakaka, fufufu. Eh eh, oh oh. Mais là, qui avons-nous? Non. Un meuble. Un sort de restauration partielle. Intéressant. Il ne reste plus qu'une seule chambre à aller visiter. Celle-ci. Et je vais m'arrêter pour cette petite session de Neverwinter Night. Parce que j'ai vu plein de zombies et j'ai vu des gens morts. Ça m'a un peu traumatisé. Ouh, trousse de premier secours et une autre fenêtre. Bien, bah je vais squatter cette chambre. Je vais me reposer. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette petite session de internet jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne pour la suite des vidéos, de liker la playlist et les épisodes de Neverwinter Night, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter @Raylus1 pour plus d'informations sur le futur de la chaîne. Bon jeu et à la prochaine.